Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes là sous la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc comme je vous avais dit déjà auparavant, ça c'est la bourse de Nyanyang pour les admissions et bourses. Donc je vous avais dit déjà auparavant que j'allais faire comme ça une vidéo pour que vous sachiez au moins comment ça se passe et comment est-ce que vous devez postuler. Voilà, donc pour ceux qui doivent postuler déjà, essayez d'abord de me donner une pouce bleu, essayez de liker ma vidéo. Voilà, pour que l'algorithme de YouTube puisse au moins faire un peu ma promotion. Voilà, donc ce que je vais faire est très simple. Pour ceux qui m'ont posé la question à savoir est-ce que la licence peut postuler et tout ça, essayons de voir ensemble vous-même pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. Donc dans un premier temps, si par exemple je veux postuler pour la licence, je vais venir là, ici par exemple. Je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo que pour postuler à cette bourse-là, il faut seulement une admission. Une fois que vous avez l'admission, vous prenez le numéro de l'admission et vous postulez à la bourse. Donc ici, par exemple, comme ça, si je viens sur admission ici, voilà, et je vais comme ça essayer de m'intéresser à la licence ici. Voilà, donc ça c'est la licence. Si je vais vous montrer d'abord pourquoi est-ce qu'on ne peut pas postuler à la licence actuellement. Voilà, pour que vous compreniez, pour ceux qui m'ont envoyé assez de questions, assez de messages. Donc ici, par exemple, si je clique sur Undergraduate Admission, je vais comme ça me rendre là. Vous voyez un peu. Et si je clique sur Apply Now, c'est-à-dire appliquer maintenant, vous allez voir ici, si je clique sur appliquer maintenant, vous allez voir un peu quelles sont les dates à laquelle les étudiants internationaux peuvent postuler. Vous voyez ici, étudiants international, ici, c'est quoi? C'est à partir du 31 octobre, c'est-à-dire dans 16 jours, si je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est le 15, donc dans 16 jours, vous allez pouvoir commencer à postuler. Ça, c'est pour les étudiants du baccalauréat. Quand il dit baccalauréat, ça veut dire licence, vous comprenez? Donc pour pouvoir postuler à la licence, il faut attendre jusqu'au 31 pour pouvoir déjà commencer. Voilà, donc ici, si vous avez un diplôme de baccalauréat international, vous cliquez là. Si vous avez un diplôme de baccalauréat simple et oui, de baccalauréat simple. Essayez de voir la différence entre en anglais baccalauréat, eux ils disent bachelor, vous comprenez un peu, mais quand vous traduisez ça devient baccalauréat, vous comprenez, donc faites un peu la différence. Sinon en anglais, en ce qui concerne le diplôme du baccalauréat que vous obtenez déjà chez vous, et en anglais ça veut dire c'est un high school diploma. Donc high school diploma, vous allez prendre ici, ici et là, mais ça part du 31 octobre jusqu'au 21 février 2023 pour ceux qui veulent postuler. Donc si nous ne pouvons pas postuler pour la licence, alors je me mets dans la peau d'une personne qui postule pour le master. Donc moi, je vais essayer de me retenir pour aller voir la référence sur le master. Donc pour les graduates ici, ce qui est là, voilà, graduate admission. Donc je vais cliquer ce qui est là, voilà, et comme ça, je pourrai venir là pour pouvoir étudier facilement. Donc ici, par exemple, comme ça, je vais essayer comme ça de choisir un peu ma filière, la faculté que moi je vais faire, pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Excusez-moi. Donc, je vais reprendre ici. Admission, là. À partir de là, je vais essayer de choisir ma faculté ici. Graduate, ça c'est pour les doctorants. Et puis le master. Voilà, ça c'est la licence. Donc, je choisis là. Et je choisis la faculté que je vais faire. Si je veux faire l'ingénierie, je choisis l'ingénierie et je prends go. Je vais choisir les éléments qu'ils vont me proposer. Donc ici, je vois qu'il y a doctorat, doctorat, doctorat. Alors, je vais choisir full time et puis je vais choisir master. Vous pouvez choisir les masters que vous voulez. Voilà. Et si vous voulez faire la médecine, excusez-moi, si vous voulez faire la médecine, vous choisissez médecine. Si vous voulez faire autre chose en termes de sciences, vous choisissez aussi sciences. Ils vont vous proposer les éléments de sciences. Donc ici, je viens. Je clique sur filtre. Donc, filtre sera là. Voilà. Et ils vont me proposer comme ça les facultés du master ou bien du. Voilà. Donc, ici, si je vois un master, par exemple, comme ça, master en environnement. Pour ceux qui veulent vraiment postuler pour les masters en environnement, sachez que vous avez assez de chances d'avoir cette bourse-là. Maintenant, moi, par exemple, je vais postuler. Ça, c'est un exemple. Je vais postuler pour l'ingénierie en chimie médicale. En chimie et puis biomédicale. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Et si vous êtes étudiant étranger, que vous pouvez postuler à cette bourse-là, à cette admission, ils vont vous dire. Si vous ne pouvez pas aussi, ils vont vous dire. Voilà. Donc ici, si vous voyez bien ici, ici,
je peux voir les éléments dont j'ai besoin pour cette bourse-là. Vous cliquez là, ils vont vous dicter un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin en tant qu'étudiant qui veut postuler pour un master en bio. Tac, tac. Voilà. Si vous voulez leur envoyer un message, vous leur envoyez un message, ils vont vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on va aller essayer de postuler rapidement ici, apply now. Ça, je vous donne un peu les éléments, les critères pour que vous puissiez au moins aller postuler un peu plus vite. Voilà, donc ici, quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir postuler à cette admission-là? Si vous voulez, vous cliquez directement apply now. Mais étant donné que c'est une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe, alors je vais essayer comme ça de vous expliquer un peu plus normalement. Donc, dans un premier temps, je vais comme ça essayer de traduire en français pour que tout le monde soit sur les mêmes ondes. Alors, ici, par exemple, comme ça. Si je prends admissibilité, les candidats doivent avoir un baccalauréat avec un minimum de spécialisation distincte et son équivalent et la capacité de poursuivre des recherches. Ok, un score GMA, ça vous savez déjà comment ça se passe. Plus vous utilisez des facultés qui sont assez complexes, plus vous devez fournir des éléments qui sont un peu complexes. Pour les étudiants, pour les diplômes, période de candidature, pour les diplômes supérieurs par recherche. Les candidats peuvent être admis en tant qu'étudiants en temps plein ou en temps partiel. Les périodes minimales et maximales pour les périodes en temps plein et en temps partiel. Ok. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ok. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, l'élément que vous devez suivre ici, c'est comment est-ce qu'il faut aller déjà sur la plateforme pour pouvoir postuler. Et vous devez avoir aussi ces éléments de test là. En ce qui concerne les tests en anglais, je vous ai déjà dit, pour ceux qui veulent vraiment postuler à ces éléments-là, si vous voyez que vous n'avez pas tous ces éléments, voilà, si vous avez déjà un test qui est déjà prérequis, qui est déjà là, vous pouvez déjà essayer de postuler avec ce test-là. Vous allez leur soumettre cela et eux, ils vous diront s'ils acceptent ou pas. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui n'ont pas, vous pouvez aller voir votre prof d'anglais ou bien votre prof d'anglais pour qu'il puisse vous écrire un élément qui dit que vous êtes bon en anglais, mais seulement que vous n'avez pas encore eu de certificat. Ou bien vous demandez à votre prof d'anglais pour qu'il puisse vous délivrer un certificat. Un certificat provisoire, c'est-à-dire qui vient de lui-même en tant que prof d'anglais. Ainsi, s'ils acceptent, ils peuvent vous faire passer un test comme ça en ligne pour vraiment prouver que vous maîtrisez l'anglais. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui n'ont pas ces éléments-là, vous pouvez déjà essayer ça. Si ça marche, alors vous pouvez continuer avec. Sinon, voici les éléments en anglais qui leur soutiennent. Voilà. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant essayer de postuler. Voilà. Vous allez essayer de postuler et puis vous allez sur le site. Ça, c'est pour les nouveaux. Ici, New Application. Vous pouvez déjà cliquer là. Et puis, vous allez comme ça aller postuler. Donc, si vous voyez là, pour les masters, ça a déjà commencé depuis août. Donc, vous cliquez sur New Application. Et à ce moment-là, ils vont vous établir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment postuler. Donc, quels sont les éléments dont vous avez besoin pour postuler à cette admission-là? Ici, je vais un peu plus vite parce que vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin juste de savoir comment est-ce qu'on poursuit tout ça. Donc ici, d'abord, application form, c'est ce que vous allez faire maintenant. Après cela, une photo d'identité. Voilà. Et photo du passeport. Et vous devez avoir aussi votre passeport. Le passeport pour les étudiants internationaux seulement. Vous comprenez? Le passeport pour les étudiants internationaux seulement. Je vais mettre en anglais, en français. Ici, ça ne passe pas en français. Tout doit être en anglais. Je répète encore, vous devez remplir tous les éléments en anglais. Après cela, vous devez avoir un score TOEFL. Je viens juste de vous dire comment est-ce que vous devez prouver votre statut en anglais. Voilà, donc si vous avez la possibilité de le faire, vous le faites. Et le système GMAT aussi. Le système GMAT, c'est comme un TOEFL, mais c'est plutôt un concours. Vous comprenez un peu, c'est un certificat que vous devez présenter. Et ici, vous devez présenter comme ça la traduction. Si vous avez par exemple fait si vous avez fait par exemple des études déjà comment on appelle ça en master, vous pouvez au moins envoyer vos bulletins. Voilà. Et Official Translate aussi. Ici, vous devez envoyer tous les éléments en anglais et original language. Et aussi, si par exemple vous avez un diplôme qui est un diplôme de licence ou même un diplôme de master et que vous voulez soumettre, et vous envoyez la traduction en anglais et vous envoyez aussi la traduction qui est en français. Voilà. Après cela aussi, vous envoyez aussi la copie de votre certificat, c'est-à-dire le diplôme de master. Après cela, vous envoyez aussi
les bulletins pour la licence, vous les traduisez aussi, voilà, et vous envoyez aussi les bulletins de licence aussi pour les originaux, et vous envoyez aussi votre diplôme de licence, voilà. Et si vous avez soutenu, par exemple, comme ça, en licence ou bien en master, vous pouvez aussi ajouter, voilà. Et ici, n'oubliez pas, je sais que vous ne voulez pas voir cela, mais vous devez être prêt à pouvoir solder les frais d'admission. Voilà, donc, une fois que vous finissez, vous pouvez venir là déjà. Vous allez, c'est avec cet élément qui est là, vous devez vraiment retenir cet élément-là, parce que c'est avec cet élément-là que vous allez postuler pour la bourse. Voilà, donc, et une fois que vous finissez là, vous pouvez mettre ici, par exemple, comme ça, vous mettez le numéro de votre passeport, ou bien si vous n'avez pas de passeport pour l'instant, vous pouvez suivre ce qu'ils ont dit là. Ils ont dit International should use the passport number. If you don't have a passport yet, please enter the first initial of your name following by your date, your birth date. Mean if your name is, donc si votre nom, par exemple, si vous n'avez pas de passeport, si votre nom c'est Li Xiao, vous voyez que la première lettre c'est L, là, et puis pour le prénom c'est X, donc vous prenez L X et puis vous mettez par exemple les initiales en ce qui concerne le mois et l'année de naissance. Regardez par exemple le 31, il est né, il s'appelle Li Xiao, c'est un exemple, il s'appelle Li Xiao et ils ont pris L déjà au premier X, ok, et il est né le 31 cinquième mois 1970. Donc ils ont pris LX le 31 5 1970. Regardez bien ici, c'est ce qui est là. LXY ici, il s'appelle Li Xiao Yan. Voilà. LX, les toutes premières lettres. L ici, X ici, et puis Y là. Ils ont pris cela. LXY le 31 5e mois 1970. Donc ça, c'est sa date de naissance. Ils ont tout fait, ils ont coulé. Ceci va représenter votre numéro de passeport en attendant que vous ayez votre passeport. Ok, donc vous mettez votre date de naissance ici, vous mettez votre email là, et puis vous cochez ici. Ensuite, vous cliquez sur I'm ready to apply online. C'est ainsi que ils vont vous rediriger sur votre plateforme pour que au moins vous commencez. Bon, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment est-ce que vous devez faire. Donc, les gars, essayez de me donner un pouce bleu et puis voilà, à tout à l'heure.